C'est toujours Quentin au milieu des cigales. Et voici le téléphérique du mont Faron. On récupère le pass téléphérique. Là-haut, je vais vous montrer les fauves. Cette fauverie dont on nous a parlé dans le petit train. On va monter au téléphérique dans quelques minutes. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Ouais. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchki, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Thank you.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils. Ici le port militaire. Vous savez bien de Toulon, que l'on n'y peut rien. Très bien. Même Paris crève d'ennui. Et là-bas, là, ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Et oui, comme promis, la fin de notre journée, tout le reste se passe. Plus rien à faire. Le début de cette journée, je vous prends plutôt. Je n'ai vraiment la fauverie du jour. Et bien, son. Dans 19h24. Ah ouais, je vais vous mettre pas vu. Oh le pauvre, il a un gros bobo. Pas mignon, pas vu que c'est dégueulasse. Dégueulasse, j'ai pas dégueulasse. Ouais, mais on voit ses faces rouges. Ah, regarde, c'est lui. C'est dégueu. Tiens, on va faire la table, mais c'est monsieur, le conseil. On va regarder. D'ailleurs, c'est là. Il a un bobo. Mais non, mais il a un bobo fait. C'est énorme. Alors, vas-y. Vas-y, un puma. Ah, ben maintenant, c'est ce que c'est. C'est quoi? C'est quoi? Et on voit pas la tête. Oui, ben là, sur la photo.
On dirait un chat. Ouais. Je pense que c'est un tigre. Non, le tigre, c'est pas comme ça. Le tigre, c'est plus gros. Hein. Comme les tigres qu'on a vus là-bas, ils étaient énormes. Ouais. Le puma. Je sais pas si c'est une fille ou c'est un garçon. La fille est comme une semelle quand même. Bah, elle aime peu, ouais. Bah oui, c'est doux. T'as vu les poils, elle prend les poils un peu de. Regarde. Je ouais, ça fait un chat. Hein. À elle. Oh là là, je te l'avais dit. Je vous l'avais dit. Oui, ben c'est toi, c'est elle et c'est vous. En tout cas, j'ai vu que directement c'est un loup. Après, là, le loup mort qui respire plus, c'est qu'il n'y a pas trop ça quand même. L'autre, on n'a rien à faire. Elle est fou. Non, bah, dis-moi. On fait une parole. Tiens ta bouteille, mamie. Tiens ta bouteille. C'est dur la vie de raton laveur. L'autre côté de Toulon. Apad. Non, c'est pas le même. Le tigre, le père de deux bébés qui ont joué dans Les Deux Frères. Un guanaco, c'est-à-dire un lama. Lion. Alors voici Jacques et Gabriella. Leurs prénoms sont empruntés aux jumeaux princiers de Monaco, nés à la même époque, parce que Jacques et Gabriella, eux, sont nés le 6 décembre 2014, je précise. Et Jacques et Gabriella de Monaco sont nés le 10 ou 11 décembre, je ne sais plus. Et là on a Jacques, donc vous voyez les deux lions. J'avais oublié de vous préciser que ce sont les enfants de Kid et Nora que je vais vous remontrer avant de quitter définitivement le zoo. Mais on reviendra évidemment dans d'autres vidéos. Alors là, vous avez Nora, la maman de Jacques et Gabriella. Gabriella. Et là, le papa. Kid. Que vous avez vu de plus près tout à l'heure. Mon Kidou. Allez, je te fais un gros bisou, Kid, et à vous aussi. Nous, on se retrouve juste après. On va encore essayer de vous filmer quelques animaux, et on reviendra. Les lynx d'Europe. Un lynx. Deux. Et sur la branche, un troisième. Eh oui, les culs rouges. Je
J'espère que cette visite du zoo de Toulon, de la fauverie de Toulon, vous aura plu. Avec sur la tête un béret en goguette. Les marins sont beaux dans tous les ports, ils font mille conquêtes. Mais ils paraissent plus beaux encore chez eux dans leur décor. Ce sont des as de Tamariso Condulas à Toulon. Tous les matelots sont bien les plus beaux avec leur béret bien sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux auprès de Toinette ou de Mireille. Ils peuvent effeuiller ailleurs leur cœur de braise. Ils reviennent toujours près de leur poulonnette. Ah vraiment, les joyeux marins ont bien plus d'entrain et plus de pompons quand ils sont à Toulon. Dès qu'ils sont là, dans Toulon, c'est le branle-bas. Du port aux Sablettes, les filles sont en fête. Ils débarquent joyeux ces grands fous, en chantant à tue-tête. Les nissons leur font les yeux doux, ils sont beaux comme tout. C'est le retour, vive le vin, vive l'amour. À Toulon, tous les matelots sont toujours plus beaux, avec leurs béret sur l'oreille. À Toulon, les petits palmes sont plus amoureux. Rouge et noir. Parce que Toulon rouge, parce que Toulon.
parce que Toulon rouge, parce que Toulon noir, parce que Toulon rouge et noir, parce que Toulon rouge, parce que Toulon noir, parce que Toulon rouge et noir, on est Toulon, on craint des gains, parce que Toulon rouge, parce que Toulon noir, parce que Toulon rouge. Coucou, c'est toujours moi. On a terminé le descendre en téléphérique. Et maintenant, je vais à la gare SNCF. En plus de tout ça, je me suis un peu vers là. Je sais pas si vous voyez bien la famille, les amis. Mais bon, c'était génial cette journée. J'espère que ça vous a autant plus que moi. Continuez de me regarder. Bon. On monte dans le dernier TV. Si possible. Quand encore elle est loin pour monter. Merci. On est dans le TV. Quelle folie cette journée. Par rapport à cette journée, je vous dis, j'ai adoré. J'espère que vous avez adoré. Si oui, likez. Sinon, n'en parlez pas, ne likez pas, ne faites rien. Et il y aura bien sûr d'autres vlogs. Il y aura des vlogs, enfin des... mes avis sur les films que je vais voir. Je vais souvent au cinéma, que ce soit avec mon père ou avec d'autres personnes, j'y vais régulièrement. Donc vous aurez mes avis sur des films que j'ai vus, que je vois ou que je vais voir. Vous trouverez aussi sur cette chaîne plusieurs sketchs, mes sorties, comme aujourd'hui tout le monde. Il y aura Cathy, tu auras Antibes, Mif, Cannes, mais je trouvais très important pour moi de commencer par Toulon. Pourquoi, je sais pas, je vous le dirai quand je le saurai. Il y aura des challenges que vous, chers amis, me lancerez, et des jeux que je trouve amusants, comme le Lava Fort Challenge. J'espère que cette journée vous a plu. Aujourd'hui, c'était pas trop déjanté, mais attention, ceux qui n'aiment pas la folie ne doivent pas regarder ces vidéos-là, parce que dans la prochaine, on va partir en folie, la famille. Pour moi, vous êtes une famille, vous êtes avec moi, je vous en remercie, je vous remercie de me soutenir, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Likez cette vidéo. Likez. Mettez tous des pouces bleus. Ciao. Et à bientôt la famille.